Bonjour à tous, bienvenue dans cet nouvel atelier Canson, consacré aujourd'hui aux astuces pour l'architecture. Voilà, je vais laisser une petite minute, le temps que vous m'envoyez quelques messages avec des petits pouces, où vous entendez bien ma voix, vous voyez bien mes mains, vous voyez bien les dessins, voilà, juste pour s'assurer que l'atelier se passe bien. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu faire des croquis, de voyages, des souvenirs, des dessins. N'hésitez pas à nous en faire part sur les ateliers Canson en ligne. On a beaucoup, beaucoup de retours et c'est vraiment agréable de voir tout ce que vous produisez. Nous, ça nous permet de voir à la fois les progressions par rapport au cours, par rapport vous à vos recherches. Voilà, dites-moi si vous entendez bien ma voix. Voilà, quelques mails, je vais regarder. On va commencer dans une minute. Dites-moi juste si vous m'entendez bien. On voit bien, on entend bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous, tout est OK. Bonsoir, bonsoir. Voilà, ravi de vous retrouver tous. Ravi, ravi. Donc là, je vous montre quelques dessins. D'ailleurs, vous avez vu sûrement sur les posts que j'ai fait précédemment, des dessins d'architecture, et puis on va essayer aujourd'hui de travailler un petit peu ces notions d'architecture. Alors je vous rassure, ça va pas être un cours forcément, ou enfin une séance où on va être vraiment, je vais pas vous assommer de théories sur la perspective, les points de fuite. On va en parler évidemment parce que c'est évidemment nécessaire, mais surtout moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'arriver à capter un moment rapide pour pouvoir, quand on est en voyage, dans une ville, etc., plutôt que de prendre une photo, mais de faire une espèce de petit croquis qui nous rappelle un souvenir de voyage, un lieu qui vous a marqué, et ça, en dessin, ça a une valeur quand même assez importante pour soi-même, pour les autres, et c'est très intéressant. Bonsoir, son et visuel, OK. Isabelle, merci. Merci, on entend et voit. Ben, c'est super, je suis ravi. Je suis ravi. Donc vous avez eu dans la description le concours pour gagner du matériel comme chaque séance. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, il y aura un tirage au sort et vous pouvez remporter du matériel Canson, notamment celui en partie celui dont je vais me servir aujourd'hui pour ces exercices. Alors on va voir beaucoup de choses, je vais essayer d'aller le plus rapidement, mais pas précipité, hein, mais je vais aller assez rapidement sur certaines notions, et surtout d'être efficace pour qu'à l'arrivée on ait un bon dessin, voire plusieurs dessins, et je vous montrerai pourquoi. Donc voilà, je laisse encore quelques secondes là, et on va commencer dans une minute. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver, si nombreux d'avoir répondu présent. Et je remercie aussi tous mes collègues qui vous ont fait des ateliers avant les vacances. Et voilà, à chaque fois, il y a de bons retours et vos dessins sont vraiment très, très sympas. Ah, ben voilà, mais ça me fait plaisir de voir vos commentaires. N'hésitez pas, je regarderai de temps en temps les petits commentaires pour voir ce qui se passe. Donc, juste un petit... ça, je vous reparlerai ça tout à l'heure, pour montrer un petit peu le matériel sur lequel on va travailler. Donc c'est ce papier-là, Canson, c'est à grains. Alors celui-là, je vais travailler sur du papier gris. Il existe aussi du papier brun. Je pense qu'on n'aura pas tout le temps de montrer, mais c'est pour montrer que la gamme des CA grains, ces papiers ocre, jaune et gris, sont vraiment super de par la qualité, la texture. Vous allez voir que le grain est vraiment exceptionnel, à la fois pour travailler le crayon, les pastels, et même aussi les médiums liquides comme l'aquarelle ou la gouache. C'est très intéressant. Donc on va travailler avec ce papier Canson, avec une petite boîte. Donc là j'ai le teint Brownstone Set, celui sur lequel je vais travailler, c'est les teintes grises. Donc vous le voyez, il y a plusieurs crayons et vous avez des pastels, notamment je vais me servir des pastels les plus clairs. Voilà. Ceux-là, voilà le blanc. Voilà, je m'en suis servi évidemment pour faire le modèle que vous avez vu en description. Je vous remontre la boîte. Voilà. Voilà, donc c'est chez Lyra, les Grayton 7. Voilà, vous le voyez bien. Voilà. Donc on va se servir de ça, de ces papiers, et on va faire pas mal de brouillons. Parce que je vais vous expliquer quelques petites notions de base de perspective.
Voilà, je regarde. Bonsoir à tous. Alors, ne faites pas attention, comme vous ont dit les administrateurs de chez Canson, ces cours sont gratuits. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Si on vous propose d'autres choses, tout ça, ne donnez rien. Ces cours sont gratuits, les replays sont gratuits. Il n'y a aucune raison il y a parfois des gens qui s'invitent. Hein, c'est un peu comme des spams. N'en tenez pas compte. On va essayer de les enlever au fur et à mesure, mais n'en tenez pas compte. Ces cours sont entièrement gratuits et sont pour vous. Voilà. Oui, donc voilà, ce qui vient de passer à l'instant, n'en tenez pas compte. N'en tenez pas compte. Voilà. Bonjour Marilyn. Voilà. Ravi de retrouver des anciens élèves et des personnes qui postent souvent sur les ateliers Canson. Alors on va commencer. N'hésitez pas, j'irai voir un peu là-haut si vous avez des questions. Je remercie d'avance Claire et Alain qui m'ont permis de mettre en place ce live. Et elle pourra répondre et un petit peu faire le vide aussi parfois parmi les commentaires qui sont pas. Voilà. Donc on va travailler avec ça. Ça, de la gouache un peu plus tard, je vous expliquerai pourquoi. Et on va travailler avec des pinceaux Princeton. Qui sont, moi j'adore ces pinceaux hein, parce que à la fois c'est des pinceaux d'une très grande qualité, d'une très grande finesse et d'une tenue dans le temps. Bah, ils s'usent pas si on les entretient bien, ils s'usent pas vraiment et c'est vraiment très agréable. Alors, on va commencer une petite chose. Je pense que tout le monde est là. Voilà. Bonjour des Vosges. Et après le live, il aura le lien de Montréal, oui. Et j'ai vu que on nous suit des Antilles aussi, j'ai répondu. Et ça fait plaisir de voir que l'atelier voyage. Nous en sommes ravis. On va commencer. Alors, moi je vais me servir d'un crayon plutôt épais et gras pour que vous puissiez voir à l'écran, tout simplement. Si vous n'avez pas ces crayons-là, si vous n'avez pas le papier coloré tout à l'heure, vous allez pouvoir travailler sur du papier blanc. D'accord? Il y a tout ce... Donc ça, c'est des feuilles Canson de base pour faire le travail. Juste une petite notion. Après, on rentrera dans le vif du sujet, notamment sur comment appréhender l'architecture, non pas d'un point de vue d'un architecte, nous ne sommes pas des architectes, je me qualifie pas comme tel architecte, je ne le suis pas d'ailleurs. Par contre, j'aime bien dessiner l'architecture pour m'immerger dans un lieu et pouvoir le rendre. On va faire quelques petites notions, on y va, c'est parti. On va commencer par un truc très simple qui, je pense, va vous rappeler vous pouvez le faire en même temps que moi ou juste regarder, il n'y a aucun souci. Quand on était écolier, on faisait un petit carré comme ça, sur notre cahier d'écolier, et on faisait un deuxième carré à cheval comme ça. Je pense qu'on l'a tous fait, et après, on joint, voilà, les angles. Et là, vous avez un carré en perspective. Est-ce que tout le monde voit bien, je pense? Coucou de Charente. Très bien. Bonjour des Landes. Ah, oh, ça fait plaisir de voir que nous sommes partout. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un type de perspective qui est très très important. C'est une perspective qui s'appelle 100 points de fuite. J'écris assez gros, 100 points de fuite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est parallèle dans la réalité, vous voyez, où il y a une boîte, on reparlera de ce magnifique objet que j'ai trouvé, vous allez comprendre, dans une boutique près des champs. Quand vous avez une boîte, vous voyez que ça c'est parallèle, et ça c'est parallèle. Donc les trois dimensions, hauteur, longueur, largeur, restent parallèles. Et dans ce système de représentation sans point de fuite, c'est pareil. Ça c'est parallèle à ça, ça c'est parallèle à ça, et ça c'est parallèle à ça. Donc ça veut dire que ce qui est loin a la même dimension que ce qui est près. Le carré que j'ai fait tout à l'heure a la même dimension que celui-là. Ce qui veut dire que les objets loin ont la même dimension que les objets qui sont près. Alors c'est un type de perspective qu'on l'englobe dans ce qu'on appelle les perspectives axonométriques. Alors il y en a plein, cavalière, tout ça vous verrez. Mais ce type de perspective, c'est juste une conception de l'espace purement intellectuelle, comme toutes les perspectives d'ailleurs. Cette perspective-là, on va la trouver dans certaines époques de l'histoire de l'art, dans certaines civilisations, dans certaines applications très modernes comme les jeux vidéo par exemple. Si vous jouez aux Sims, si vos enfants jouent aux Sims, les miens c'est le cas, évoluent sur un plateau qui n'a pas de point de fuite. C'est-à-dire que quand le personnage va plus loin, mais il garde la même dimension. Là j'ai une petite miniature ancienne, vous voyez, très jolie,
Et là, vous avez un type de perspective qui est sans point de fuite, c'est-à-dire que les personnages ont la même dimension au même moment. Ça ne fuit pas en fait. Vous voyez, ça c'est vraiment carré, quoi. Hop, fait carré dans le sens que tout ce qui est loin a la même dimension. Voilà une petite miniature ancienne qui obéit à ça. D'autant plus que vous voyez que les mosaïques au sol ne sont pas du tout en perspective. On ne se trouvera pas du tout dans la représentation de type renaissante dont on va parler tout à l'heure, où il y a un point de fuite et on a ces fameux damiers par exemple, Piero della Francesca va utiliser à merveille dans sa flagellation du Christ. Là, non, tout est plat. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là, à cet instant T, ne représentaient pas ou ne savaient pas représenter en perspective. On le sait le faire depuis très longtemps, depuis l'Antiquité. Qu'est-ce que c'est la perspective dite optique? Je vais faire très simple. Si vous avez, par exemple, le même carré, au lieu que l'autre carré soit plus grand, il va être plus petit. Pourquoi? Il va y avoir, par exemple, un point de fuite. Point de fuite ici. Et tous les angles vont fuir vers ce point de fuite. Je tire un trait là parallèle et je retire un trait là parallèle à ça. Et j'obtiens une boîte en perspective. Et je pourrais dessiner comme on faisait souvent à l'école. Je le marque bien fort pour que vous le voyez. Voilà. Et qu'est-ce qu'on... Et là, évidemment, ça se fait. Et on se retrouve avec quoi? Un carré qui est plus petit que le carré de devant. Donc ça veut dire que cette distance-là, dans la réalité, ma boîte, cette distance est égale à celle-là. Vous voyez que c'est logique. Pourtant, dans ce système de perspective dite optique, ben, cette distance-là, ben, vous le voyez, est plus petite que celle-là. Donc ça crée l'illusion d'une profondeur. Cette perspective-là, ben, c'est celle dont on se sert généralement dans les tableaux, en gros depuis la Renaissance. Quand vous regardez, penchez-vous à la fenêtre, vous regardez la rue, ben vous voyez que les personnes au fond de la rue sont tout petits. Votre intellect, notre intellect, comprend bien que les personnes ne sont pas toutes petites. Ça veut dire qu'elles sont loin. Donc c'est admis que, d'un point de vue visuel, théorique et intellectuel et surtout graphique, ce qui est petit, ce que veut dire ce qui est loin. Mais, dans certaines représentations, ce qui est petit peut dire, donc là par exemple, si j'ai un homme comme ça, à cette distance-là, là il sera donc plus petit. Et je comprends que c'est la même personne, mais elle s'éloigne, etc. Il y a des perspectives qui décident de tordre un peu ça. Ça peut être des perspectives dites symboliques, c'est-à-dire que ce qui est plus grand, c'est plus important, ce qui est plus petit est moins important. Alors je tiens à préciser quelque chose de très important que je disais souvent dans mes cours, il n'y a pas de hiérarchie. Cette perspective là n'est pas forcément meilleure que celle-là moins bien, etc. Ce sont juste des codes. La perspective est une recréation de la réalité par la pensée. Donc, si vous voulez faire des perspectives, par exemple, comme ça, vous les avez dans les dessins industriels, par exemple, ou dans des dessins d'architectes, quand ils font des plans. Si vous faites votre plan de nouvelle maison, ben, il faut que le salon soit aussi grand que la cuisine, que la salle de bain, etc. Et vous voyez tout au même degré. Si l'architecte vous fait un plan comme ça sera plus une vue d'ensemble, mais si c'est pour calculer les plans et de savoir quelle est la superficie d'une pièce au fond, ben, vous devez plutôt avoir une représentation de ce type-là, sans point de fuite. D'accord? Je vais faire un autre petit exemple, encore 5 minutes, et après on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Quand vous avez une perspective à un point de fuite, voilà. Donc là vous avez une petite boîte. Tout le monde m'entend bien, vous voyez les dessins. D'accord. Ok. Oui, ne tenez pas compte des spams. Donc là par exemple vous avez une boîte. En ce moment vous devez l'avoir vue d'avion. Moi, je la vois comme ça, mais vous devez l'avoir vue d'avion. Regardez ça, par exemple. Vous avez un point de fuite. Là, vous avez l'impression que la boîte, elle est au-dessus du point de fuite. Encore au-dessus. Là, au même niveau que ce qu'on appelle la ligne d'horizon. Et là, vous avez l'impression que la boîte est au-dessous de vous. Pareil, en dessous de vous. Tout ça va nous mettre le point crucial du dessin d'architecture, c'est de savoir où je me place par rapport à l'objet, où je suis. Est-ce que l'objet est au-dessus de moi, en dessous de moi, au même niveau? D'accord? Et ce qu'on appelle là la ligne d'horizon, c'est tout simplement la ligne du regard. En ce moment, vous êtes assis à votre table. Je ne sais pas ce qu'il y a devant vous. Qu'est-ce qu'il peut y avoir devant vous? J'avais fait un petit croquis, il faudrait que je le fasse en temps réel, mais imaginez que là, ça c'est un peu chez vous, par exemple, vous êtes en train de dessiner, vous avez votre téléphone, vous suivez mon cours, là. Et là, vous voyez que, par exemple, là,
Vous êtes comme ça, vous êtes assis. Mais par exemple, si vous vous levez ou montez sur une échelle, ou carrément vous avez une mezzanine, vous montez. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et là, vous avez l'impression que vous êtes au-dessus de l'objet. Pour exemple, regardez, quand vous êtes assis face à vous, vous avez sûrement face à vous une bibliothèque ou je ne sais pas. Là, par exemple, quand vous êtes assis, si vous avez une grande bibliothèque, là, vous ne voyez pas le dessus de la bibliothèque. Alors que si vous montez sur un escabeau, vous changez d'ampoule, ou là, vous êtes carrément en dessus, mais vous voyez le dessus de votre bibliothèque. Pour cela, vous avez votre changement de point de vue vis-à-vis de la ligne d'horizon. Et ça marche aussi avec deux points de fuite. On ne fera pas trois points de fuite aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. On va se contenter de deux. Donc là, deux points de fuite. Mais là, plutôt que d'avoir un carré, vous avez une ligne verticale. Et de chaque côté, ça va fuir comme ça. Donc pareil, vous avez l'objet. C'est comme si vous aviez une lampe, un abat-jour carré au-dessus de vous. Là, vous êtes face à un cube ou une maison. Et là, vous avez plutôt, je sais pas moi, comme une petite boîte à chaussures qui est en face de vous. Donc, reste à savoir où est cette ligne de fuite. Et dans la réalité, on arrive à la retrouver. Je prends comme exemple. Je reviens sur ça. Là, j'ai pas de point de fuite. Donc, mes lignes vont rester parallèles. Là, par exemple, j'ai un dessin type 18e, Hubert Robert, fantastique, tout ça. Vous voyez que, par exemple, là, ça fuit. Et que là, par exemple, c'est plus petit, ces bâtiments. Et là, ça fuit. Et tous ces points vont fuir vers ce qu'on appelle le point de fuite. Donc, soit il est sur le côté, soit il est en plein milieu. Là, en l'occurrence, dans ce dessin de Hubert Robert, et vous avez typiquement un type de représentation où vous avez les points de fuite qui vont vers là. Voilà. Et leur jonction du point de fuite correspond à votre ligne d'horizon. D'accord? C'est peut-être un petit peu abstrait, mais vous verrez, c'est assez simple après. Juste une chose, sans vouloir rentrer trop dans les détails. Donc là, par exemple, notre petite boîte. Vous voyez, par exemple, là, c'est comme si je suis. Vous allez voir très vite où je vais en venir. Voilà. Ça y est, vous voyez où je vais en venir. Voilà. C'était un peu le sujet de notre cours. Et là, je monte. Je monte. Je monte. Hop! Alors là, je prends un hélicoptère carrément. Ou alors, je ne sais pas, les bâtiments les plus hauts des champs sont pas aussi hauts que l'Arc de Triomphe. Je monte, je monte, je monte, je monte. C'est un peu ça là. Ça, c'est ce que vous voyez en ce moment, je pense. À peu près comme ça. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous étiez en hélicoptère au-dessus de l'Arc de Triomphe. Là, vous êtes face à l'Arc de Triomphe, dans Champs-Élysées. Et là, imaginez que vous prenez un hélicoptère. Et vous montez, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez, vous commencez à voir le dessus. Quand vous êtes en bas, vous ne voyez pas le dessus. Et là, vous êtes carrément au-dessus de l'Arc de Triomphe. D'accord? Donc tout ce processus-là vous permet de décider d'où je vois l'objet et comment je le représente. Le point de fuite peut être en dehors de la feuille, bien évidemment. Et d'ailleurs, des points de fuite, il y en a des milliers. Imaginez que là, par exemple, mon Arc de Triomphe. Vous avez remarqué quand même, j'ai fait l'acquisition d'un magnifique petit arc de triomphe, un petit peu kitsch, mais quand je suis tombé dessus, bon, évidemment, pourquoi je parle de l'arc de triomphe, sans rentrer dans les détails de l'œuvre de Christo, mais vous êtes tous au courant, et ça m'a fait plaisir de rebondir là-dessus, mais je suis allé dans une boutique de souvenirs, ce magnifique petit arc de triomphe que j'ai acheté, voilà, il est superbe, me permet d'imaginer que je me balade autour de lui, chose qui est impossible dans la réalité parce que nous n'avons pas d'hélicoptère. Donc les points de fuite de ça, évidemment, peuvent sortir. Vous pensez bien qu'une image, si par exemple, là je réponds aux questions en direct par exemple, si par exemple vous avez, non, on va rebondir tout de suite là-dessus. Regardez, mes points de fuite, mes points de fuite. Regardez, là, il arrive là, et là, il arrive là. Donc, ils sortent de la feuille. Et là, vous avez raison pour votre question. Donc, moi, ce qui va pas m'intéresser, ce qui va, si, enfin, ça va m'intéresser, mais je vais pas essayer de me raccrocher là-dessus pour dessiner dans la réalité. C'est pas d'essayer de trouver les points de fuite, mais c'est de trouver l'angle que j'ai dans mes trois dimensions. Je m'explique. Et c'est ça qui va être capital pour arriver à croquer. Regardez, par exemple. Je vais prendre un marqueur fluo. Là, par exemple, vous avez une espèce de Y qui est comme ça. Quand vous avez l'objet qui est en dessous de vous, vous allez avoir plutôt un Y. Quand ça va être au même niveau, ça va être pratiquement droit. Et plus vous allez monter,
plus ça va faire comme une flèche. Je vous le remontre là. Ça, ça va être assez chouette. Regardez. Un Y. Vous voyez? Et là, une flèche. Et à partir de ça, si j'ai une flèche, ça veut dire que l'objet est au-dessus de moi. Si j'ai un Y, c'est que l'objet est en dessous de moi. Je le remontre sur le dessin. Excusez-moi, j'ai beaucoup de documents, mais c'est ça aussi qui est agréable. Quand vous avez là, regardez, ça là, ben vous avez votre flèche. Ça veut dire que l'objet est au-dessus de vous. Pareil, une flèche. Toujours donc la hauteur, longueur, largeur. Ça vous fait une flèche. Je vais ranger tout ça. Voilà. Donc, ouais, je vais vous montrer tellement de choses. Voilà. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, quand vous ne pouvez pas trouver le point de fuite au-delà de ça, et par exemple, si vous faites ça, vous faites juste un trait vertical, on ne va pas s'occuper du bas pour l'instant, pour notre arc de triomphe, vous faites une flèche, là vous faites un trait tout simplement, et vous redescendez, vous avez l'impression que l'objet est au-dessus de vous. Vous voyez que là, je retrouve ma flèche. D'accord? En revanche, si vous avez un Y, vous allez avoir, et là je fais fuir comme ça, c'est-à-dire que cette distance-là va être plus petite que celle-là, vous avez un objet qui est en dessus de vous, ou alors vous volez au-dessus de lui. Y. Ok? Je pourrais le marquer flèche, là on va dire Y plutôt. Y, l'objet est en dessous de vous. De vous. Flèche. Au-dessus. Je simplifie à l'extrême. Je pense que mes professeurs d'université de perspective me diraient « Ah, tu simplifies beaucoup, beaucoup. » Mais oui, mais il faut simplifier parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des dessins d'architecture vite, rapidement, de pouvoir évoluer. Regardez par exemple, je vous remontre. Je me retrouve avec ça, la ville d'Arras, que je ne connaissais pas. J'y suis allé avec grand plaisir en juillet. Et je regarde. Pour qu'on la voie entière ou de recadrer la caméra, on ne voit pas la partie droite de vos feuilles. Oui, 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 on va décaler, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Ne bougez surtout pas, il ne faut pas que je fasse tomber tout ça. Voilà. On est là pour s'adapter en direct. Voilà, je pense que c'est mieux. Voilà. Merci pour vos remarques. Alors, la ville d'Arras, que je ne connaissais pas, je pense peut-être beaucoup de personnes connaissent. La ville d'Arras, j'ai mis des photos hein, dans le descriptif. Alors, on m'a dit c'est magnifique la place. Et c'est vrai, c'est les deux grandes places. J'ai préféré la petite. La grande est vraiment très grande, mais la petite est truc. Je me suis assis à un petit bar, j'ai pris un café et j'ai dessiné. Vous imaginez bien que si je devais faire un dessin d'architecte complet de type urbaniste, ça me prendrait des heures, des jours. Là, ben, je fais des ellipses. Je crée ma perspective. Là, vous voyez bien que, là, si j'ai mon Y là, mais non, là, c'est une flèche. Donc, ça veut dire que ça, c'est au-dessus. OK? Et donc, par exemple, vous voyez bien que j'ai pas tout fait. Mais, par contre, je donne l'illusion qu'il y a une multitude de fenêtres. Je les ai pas comptées. Là, peut-être, je me suis trompé. J'en ai fait un de trop ou un de moins. Mais en tout cas, c'est l'idée d'avoir quelque chose. D'accord? Entre parenthèses, dans ce magnifique petit objet, ils se sont trompés. Ils ont oublié une truc. Bon, c'est pas bien grave. On reconnaît l'objet. Pareil pour ça, pour Moissac. J'étais ravi de voir un commentaire qui disait « Ah, je reconnais Moissac ». Ben, moi, ça veut dire que c'est gagné, même s'il n'est pas marqué là, mais si quelqu'un le reconnaît, vous voyez bien qu'il y a des ellipses, il y a des fatalement, il y a des choses qui ne sont pas faites, mais on reconnaît quelque chose, comme j'avais posté aussi la Tour Eiffel. Et donc, j'avais fait un autre petit croquis de mon arc de triomphe avec, ça, on en parlera, de la construction de François Rude. Là, par exemple, ça, c'est un petit croquis qui est peut-être pas aux proportions, mais qui a été fait rapidement. Maintenant, on va s'atteler au dessin réel de notre arc de triomphe. Donc, si vous n'avez pas de papier coloré, vous allez pouvoir utiliser, voilà,
un papier normal et on ne fera pas forcément les rayons de blanc ensemble, mais vous pourrez au moins faire le dessin. D'accord? Donc là, vous avez là, moi je vais me servir donc d'un crayon, je vais prendre encore un bien aiguisé. Voilà. Donc là, je pense que vous voyez bien. Et je vais prendre notre modèle. Voilà, je vous laisse le temps de vous installer. Et je retrouve ma photocopie. Normalement, elle doit bientôt arriver, cette photocopie. Il n'y a pas de souci. Voilà, elle était juste dessus. Donc, est-ce que tout le monde voit bien? J'ai décalé à droite. Est-ce que tout le monde voit bien? Voilà, très bien, très bien. Alors, ce que vous allez faire, on va juste faire un croquis rapide. Notre boîte, ce qu'on appelle la forme englobante. Ça tombe bien, quand j'ai acheté mon petit souvenir, ben, il était vendu dans une boîte. Imaginez que tout peut se retrouver dans une boîte ou vous êtes dans une boîte. Quand vous regardez votre la trousse qui est devant vous, un téléphone, etc., tout est une boîte. Et nous vivons dans des boîtes, sauf si les murs sont ronds, etc., comme au Guggenheim, mais en tout cas, c'est toujours des boîtes. Donc là, par exemple, vous allez tirer un trait. On commence ensemble. Vous allez tirer un trait en bas. Et on va prendre des dimensions. Alors, on pourrait les prendre à la règle. On va les prendre avec les doigts, tout simplement. Je regarde si tout va bien. Ah, Ras, merci, vous reconnaissez. Je comprends enfin la perspective et je suis ravi. Ah, du Québec, bienvenue. Je suis ravi qu'on voyage autant. Grâce à vous, je voyage beaucoup. Merci. Alors, on va prendre les dimensions. Vous pouvez prendre votre doigt comme ça et vous reporter. Donc là, vous savez que je vais faire la forme englobante. De votre point de vue, ça doit donner... Lui doit être à peu près, pour ne pas dire bêtises. Là, je verrai le dessus, donc c'est pas bon. Voilà. Ça, là, c'est ça. En ce moment, c'est ma boîte, c'est ma forme qu'on appelle englobante. Donc là, vous prenez à peu près les mesures de là. Là, vous dites, c'est à peu près là. Voilà. Et l'autre mesure est à peu près là. Ok. Donc là, c'est que des mathématiques. D'accord. Après, je peux regarder quelle est l'inclinaison. Je pourrais prendre un rapporteur. Pour cette fameuse flèche. Vous vous souvenez de la flèche que j'ai fait au stabilo? Donc là, ben vous rejoignez. Alors, ce qui est très très simple, et c'est valable aussi pour la réalité, c'est-à-dire que dans la réalité, vous pouvez prendre le crayon, vous regardez, vous clignez un œil, mais vous voyez l'inclinaison des bâtiments. Je prends cette inclinaison-là et je la reporte. C'est aussi simple que ça. D'accord? Je reporte cette inclinaison-là et c'est aussi simple que ça. Voilà. Et là, j'ai ma boîte souvenir que j'ai achetée. Et maintenant, je vais pouvoir construire dedans. Est-ce que tout le monde a ce petit schéma? Je vous laisse le dessiner. Voilà. Bonjour de Corse. Bienvenue en Corse. Merci. Alors, maintenant, nous allons essayer. Alors, peut-être qu'on n'arrivera pas. Je vous avoue, celui-là, je l'ai fait donc pour préparer le cours, évidemment. Ça m'a pris un peu plus d'une heure, à peu près une heure et quart. Donc, on ne pourra peut-être pas arriver à ce résultat au terme de la séance, parce que j'aimerais aussi parler d'autres choses avec la gouache, etc. En tout cas, vous avez la progression totale et complète dans le descriptif. Ok, on pourra pas faire peut-être tous les détails, vous voyez là et là, mais on va essayer d'aller le plus loin possible. Donc là, vous allez pouvoir dessiner et on va faire les étages. Alors, vous voyez qu'il y a des petits niveaux qui apparaissent. OK? Donc là, vous avez le premier étage. Voilà. Et là, ça sort du cadre. Demain. Voilà. Et pareil, vous faites fuir. C'est-à-dire qu'en théorie, cette distance-là est plus grande que celle-là. Et là, vous faites fuir. Vous faites un petit rebord. Vous continuez. Voilà. Et on va faire l'étage de la frise. On va en parler, la frise, comment dessiner une frise. Voilà. Là, ça ressort un petit peu. Et là, on y est. J'essaye d'être le plus droit possible, parce que je dessine pour être droit pour vous. OK? Alors, petite astuce. Tout ce qui est valable à plat est valable dans la réalité de perspective dite optique. Perspective qui a été redécouverte à la Renaissance, mais qui existait depuis l'Antiquité, et même certains historiens présupposent, c'est des spéculations, mais que la perspective était déjà comprise par
les grottes préhistoriques et que l'art pariétal avait conscience, c'est-à-dire qu'il y a des bisons qui ont les pattes arrière dessinées ou sculptées plus petites que les pattes de devant. Donc ils auraient peut-être déjà conscience de l'éloignement de la chose. C'est pas sûr, mais à vérifier. Donc quand vous voulez trouver le milieu d'un carré, vous faites ça. D'accord? Et là, vous avez la moitié. Mais ça, c'est valable aussi en perspective. C'est-à-dire que quand vous avez votre carré en perspective comme ça, là, si vous trouvez le milieu, vous ne prenez pas le milieu là, vous faites une diagonale et vous allez trouver le milieu. D'où mon arche va se trouver là. Il va y avoir plus d'espace ici que là. Tout ce qui est vérifiable à plat est vérifiable là. Là, par exemple, je refais la moitié. Et là, je pourrais obtenir tout simplement des arcades. C'est le principe des damiers, etc. Et ça, c'est valable aussi en perspective. Donc là, on a notre bâtiment. On va faire ce petit niveau. Donc là, je suis à peu près. Voilà. Peut-être je suis un peu. Non, ça va, je suis un peu. Ça va à peu près. Si vous n'êtes pas exactement à l'échelle, là, on va faire notre petit rebord. Là et là. Voilà. OK. Et donc pour la moitié, mais effectivement, je peux croiser comme ça et trouver que le milieu est là. Donc vous voyez que c'est plus grand là que là, parce que tout ce qui s'éloigne devient plus petit. Donc là, par exemple, n'hésitez pas quand vous faites des dessins d'architecture, ça c'est un petit truc que je vais vous montrer aussi tout à l'heure, à dédoubler les traits. Exemple, quand vous faites une fenêtre, par exemple, n'hésitez pas toujours à dédoubler les choses. Vous pouvez dédoubler comme ça les carreaux. Ça donne toujours du relief. Et ça donne vraiment un petit peu plus de cachet. D'accord? Donc là, on va avoir notre arche. Voilà. D'accord? Alors là, il y a les perspectives. Qu'est-ce qui se passe? Là, ça repart parce que c'est parallèle à ça. Donc là, ça va repartir vers là. OK? Mais ça, on va le faire plus fin. Là, on va faire en perspective nos deux petits bas-reliefs. Et là, on va se trouver avec les fameuses sculptures de François Rude. Alors, ces sculptures-là, pareil, j'ai fait une photocopie. Il faudrait juste que je la retrouve, mais oui, elle est là. Il y a ça sur l'arc de triomphe. Imaginez que vous êtes en train de dessiner, vous ne pouvez pas faire ça d'un coup, c'est trop dur. Donc, vous voyez, dans mon dessin, je l'ai extrêmement simplifié, mais par contre, ça donne une indication de l'objet. Donc là, par exemple, on va dire qu'on a une forme à petit peu près comme ça, avec notre socle. Et pareil avec notre socle. Et vous voyez très vite l'arc de triomphe, enfin, je pense dans le monde entier, on va le reconnaître là. Hein. D'accord? Donc là, on fait de nouveau le gros bas-relief là. Et là, il va y avoir pareil une arche comme ça. Donc là, notre dessin, ben, en gros, ben, il est fait. Hein. Vous voyez, c'est pas trop compliqué, c'est que des lignes, mais on a notre arc de triomphe. Alors là, il y a l'arche intérieure qui devient un peu plus complexe, mais c'est pas non plus, voilà, insurmontable. On a notre autre arche là qu'on fera apparaître plutôt dans l'obscurité. Voilà, ok. Je vous laisse 2 minutes pour arriver à ce croquis là et on va faire les détails. Je regarde les commentaires. Hop, voilà, dites-moi si vous voyez bien, vous êtes nombreux, ça fait très très plaisir de vous voir. Essayez d'avoir cela, je cadre bien. On m'a dit que j'étais pas assez à droite, maintenant peut-être je suis trop à droite. Voilà. Est-ce que vous arrivez à ce niveau-là? D'accord? Le temps que vous y arrivez, je vais vous raconter une petite anecdote quand même. Parce que la perspective, le temps que vous le fassiez, prenez votre temps. La perspective, comme je vous ai dit, est une construction théorique. Donc, par exemple, il y a des perspectives dites symboliques, c'est-à-dire que ce qui est important, ça on va le trouver dans la religion, par exemple. C'est-à-dire que le personnage principal doit être plus grand que les personnages secondaires. Un dieu, une représentation d'une divinité, etc. C'est une perspective dite symbolique. Donc, ce qui est grand est plus important. Imaginez par exemple que vous faites. C'est pour ça qu'après, ça peut devenir très poétique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une représentation de type n'est pas optique,
comme celle de la Renaissance, à savoir, si vous aviez un papier calque sur la réalité, ça vous fait une vision comme ça, ça s'éloigne, mais une perspective dite symbolique. Imaginez par exemple que vous voulez faire un dessin qui représente, par exemple, quelqu'un qui est loin de vous, géographiquement, mais qui est proche de vous, qui vous manque. À ce moment-là, vous pouvez le dessiner très grand par rapport à vous, alors qu'il est loin physiquement. Et ça, ça va être symbolique. Ou au contraire, quelqu'un qui est proche de vous, votre voisin, ou je sais pas moi, votre collègue de bureau, mais peut-être vous avez rien en commun, il est très proche de vous physiquement, mais symboliquement, il est très loin de vous. À ce moment-là, le dessin vous permet des choses absolument poétiques. Et ça, on va le retrouver dans l'art, c'est absolument génial. Et je vous parle notamment d'un auteur qui s'appelle Édouard Levé, qui a écrit beaucoup de livres, et son premier livre s'appelait Œuvre. Il avait fait une œuvre très très rigolote, j'en parlais souvent à mes cours, il disait, mais je vais représenter un repas de famille, et au lieu que ça soit une perspective normale, la taille des personnages va correspondre à leur temps de parole pendant la soirée. C'est-à-dire que si quelqu'un a beaucoup parlé pendant la soirée, mais il sera très grand, et quelqu'un qui n'a pas beaucoup parlé, il sera très petit. Donc vous voyez que ça peut devenir extrêmement poétique. Là, on est sur une représentation de type relativement classique, de type optique. Mais n'hésitez pas à faire des représentations qui peuvent être beaucoup plus poétiques que cela. Quand on est arrivé à ce stade, on va parler de choses assez précises. Donc là, on voit par exemple que là, il y en a, j'avais compté 12 ou 13, attendez, je recompte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et il n'y en a que 11, c'est là où il n'y en a que 10. Donc là, vous allez séparer à peu près, et si vous en manque un, mais franchement, c'est vraiment pas grave, hein. C'est comme la vue de Moissac ou d'Arras, s'il manque un truc, c'est vraiment pas très grave. Et là, vous allez faire un petit rond dans chaque. Ok ? Là, pareil, là, je crois qu'il y en a pareil 12. Vous faites ça. Voilà. Et ces petits détails vont donner du cachet. OK? Alors maintenant, la frise. Alors n'hésitez pas. Là, par exemple, on va essayer d'affiner un tout petit peu. N'hésitez pas, là, pour cette bordure, n'hésitez pas à dédoubler. Ça va donner un effet très intéressant. Ok, encore une fois, c'est pas de l'architecture pure, mais tout ça. Là, on a une très belle frise. Honnêtement, là, je ne vois rien. Honnêtement, quand vous êtes sur les Champs-Élysées, vous ne voyez rien non plus. Je regarde si le dessin est... On ne voit pas bien. J'ai du mal avec votre trait du sol. Est-il vraiment droit? Oui, je l'ai fait droit. Pourquoi? Pourquoi je le fais droit? Pour simplifier les choses. Parce que, en théorie, si je le vois comme ça, ben, je suis une petite souris. Parce que là, c'est plat. En théorie, là, ça devrait légèrement être comme ça, mais pour simplifier, je l'ai fait droit, d'accord? Parce que sinon, on va s'y perdre. Mais effectivement, vous avez raison, ça devrait fuir aussi un tout petit peu là, parce que moi, quand je suis debout, ben, je suis légèrement dessus. Là, j'ai ma flèche, et là, j'aurai un léger Y. J'ai pris le parti pris, et vous avez bien fait de le souligner, de faire une ligne droite. D'accord? Alors, on ne voit pas très bien. J'espère quand même que vous voyez bien. Pour tous, dites-moi. Ça devait commencer à 19h. Non, vous aurez un replay de toute façon. Ok. Donc là, pour ce qui est des frises, je vous conseille aussi, pour éviter, par exemple, toujours prendre un papier comme un papier buvard, pour éviter de poser la main. Alors les frises, je ne vais pas m'amuser à faire toutes les frises. Vous imaginez, vous faites un dessin, ça. Donc n'hésitez pas, vous faites juste, alors on le suppose, vous le regardez de près, que ce sont, voilà, c'est une succession de petits bas-reliefs avec des personnages. Vous faites des petits... comme des petites arabesques, comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que vous essayez d'être non pas forcément précis, mais juste. On peut être très précis et pas juste, alors que là, voilà, je fais juste ça. Mais ça me crée une petite frise. Là, je continue. Voilà, et la frise va se poursuivre comme ça. D'accord ? Ok, j'espère que vous voyez bien, toujours. Ah, on voit très bien, merci. Voilà. Sachant qu'on a eu, vous avez vu, il y a eu une grosse panne Facebook, là, hier. Heureusement que ça a été rétabli, je suis ravi de vous retrouver en direct. Pour ce qu'on appelle les bas-reliefs, entre parenthèses, un bas-relief, c'est une sculpture qui est sur une surface plane et une ronde de bosse. C'est une sculpture qu'on voit entièrement de tous les angles, hein, comme un Rodin ou un Michel-Ange.
Donc là, pareil, vous dédoublez. Et là, vous ne vous embêtez pas, vous me faites des petits zigouiguis. Il n'y a pas de souci. D'accord? Mais déjà, ça prend corps. Ok? Vous faites des petits détails comme ça. Voilà. Ok? Dédoubler les traits. Petit rebord, etc. Alors, la sculpture. Alors, cette sculpture est extrêmement connue. Hein, cette avancée comme ça, cette force de cette culture de François Rude qui va être importante, c'est quand même l'épée qui va sortir, un personnage, quelques ailes. Et ce qui va être plus important pour moi, c'est cette ombre-là que la sculpture à proprement parler. Donc là, vous dessinez comme ça, comme si c'était un peu des jambes, etc. Voilà. Et vous avez votre sculpture. Vous voyez là, c'est pas très précis non plus, hein, mais c'est volontaire. Et là, pareil, vous faites votre sculpture là, et ce qui va m'importer après, c'est loin. Ok? Là, j'ai une autre arche. Là, notre dessin. Alors, si vous voulez, on peut faire ça. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout faire, mais vous faites l'intérieur comme ça, de cette courbe. Très belle. Et là, vous avez aussi en ligne de fuite. Vous n'êtes pas obligé de le faire là, hein, si voilà, je ne veux pas aller trop vite. Mais vous voyez que votre dessin, là, il est quasiment là. Hein. Enfin, même, il est là. Hein. Si on s'arrêtait là, ben, une personne étrangère, touriste ou même pas touriste, reconnaît ce que vous êtes en train de faire. À partir de là, déjà, on va pouvoir marquer pas mal d'ombres. Je vous laisse, pour ceux qui sont en train de le faire, je vous laisse. Alors, il faut un crayon sec ou gras. Moi, je prends un crayon gras. Pourquoi? Parce que pour que vous voyez bien l'image. Dans ces boîtes-là, qui sont assez chouettes, vous avez des différentes textures et de dureté et de gras dans ces crayons qui sont vraiment très agréables en charcoal ou en carbone. Vous avez aussi des gros, alors là on va pas s'en servir, mais ça pour faire des grands dessins, vous avez pour faire des grands aplats, et là vous avez toute une tonalité de gris. Nous on va se servir juste du noir et du blanc parce que le temps qui nous est imparti nous permet pas de tout faire. Vous avez un petit taille crayon, vous avez une gomme mie-de-pain qui nous servira, on en a déjà beaucoup parlé des gommes mie-de-pain. Voilà, oups, je me décale, voilà. Alors, je continue à faire le dessin. Donc là, on a une très belle boîte. Donc, mais vous pouvez prendre n'importe quel type de crayon. Ce qui est important, c'est sur ce papier, mais ça réagit extrêmement bien. Et ce papier est d'une qualité, avec une fibre très très agréable. Moi, j'ai fait beaucoup de dessins avec, et vous avez vu, le résultat est plutôt satisfaisant quand on le voit comme ça. D'accord. Juste un peu de petite chose. Le temps que pour ceux qui sont en train de dessiner en temps réel, de finir. Le lien pour ce scrotirage au sort, c'est dans le descriptif. Peux-tu le voir, le dessus de la boîte? Quelle boîte? Ah oui, le dessus de la boîte. Oui. Voilà. C'est ce petit set-là. Tonalité grise et tonalité marron. Voilà. Vous les voyez? Voilà. C'est des très très chouettes sets et vraiment très très polyvalents et très agréables à utiliser. Je vous montre quelques petits exemples, le temps que voilà des dessins d'architecture très très simples, voilà comme ça, que j'ai fait au BIC. Après, je vais vous montrer quand même une différence, qu'il n'y ait pas de leurre hein, non plus. Hein. Quand je fais ce genre de dessin, qu'on peut retrouver par exemple dans des manuels de carnet de voyage, vous imaginez bien que je n'ai pas passé 3 heures comme ça en pleine chaleur. Ça, je l'ai fait d'après photo. Très très bien. Et il n'y a pas de souci. Ça, par contre, je l'ai fait, je ne sais pas si on le voit bien, mais ça, je l'ai fait réellement. On prenait un thé, c'était dans le Mont Atlas, on avait fait comme ça. Ça, ça pareil, ce sont des dessins comme ça. Ça, c'est un carnet du Maroc. Là, je vous montrais un carnet de Bretagne. Donc ça. Voilà, tous ces carnets, voilà, ça c'est une place à Concarneau, et je vais vous montrer, ça a été pris d'après photo, ça a été fait d'après photo. En revanche, je vous montrer, ça c'était vrai, c'est une église à la Forêt-Foëlin, voilà, la Forêt-Foëlin, une petite église que j'ai fait au stylo bic. Voilà, ça prend du temps, mais c'est comme ça. Et je vais vous montrer des petites études, notamment de Quimper. Donc là, par exemple, vous retrouvez... Moi, c'était des vues de Quimper, j'étais debout. Je garde le dessin pour ceux qui continuent. J'étais debout, donc il y a du monde, et puis vous êtes mal à l'aise, puis il commence à avoir des crampes, etc. Puis les gens viennent vous voir, c'est toujours agréable, mais bon, ça peut intimider, etc. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir le contraste entre l'église, la cathédrale de Quimper et la rue très sombre, etc. Donc ça, c'est des dessins pris sur le vif.
Alors, on aime ou on n'aime pas la qualité, peu importe. Ça aussi, ce sont des dessins pris sur le vif. Là, en revanche, je ne vais pas vous mentir. Je n'étais pas sur la place des Vosges aussi pendant des heures. J'ai pris une photo de ça. Donc, peu importe de savoir ces dessins d'architecture si vous les faites chez vous. Et souvent, n'hésitez pas, quand vous faites un dessin d'architecture, de prendre une photo en même temps, comme ça, pour pouvoir potentiellement le finir à la maison. D'accord? On va revenir sur notre arc de triomphe. Maintenant, on a tous les dessins. Ce qu'on va passer, c'est les ombres. Donc là, maintenant, ce que vous allez faire, je pense que vous voyez bien le dessin. Alors, pourquoi j'ai pris déjà une photo en noir et blanc? C'est juste pour avoir. Je ne trouve pas le descriptif. Je crois l'avoir mis, le descriptif. Merci beaucoup pour les carnets. Vous les trouvez. Je vous montrerai d'ailleurs le travail d'un ancien élève à moi qui a fait des choses excellentes sur les croquis. Pourquoi j'ai pris en noir et blanc? Tout simplement pour enlever tout ce qui est teinte. Ce qu'on appelle les teintes, c'est les couleurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les valeurs. Qu'est-ce qu'une valeur? Une valeur, c'est la différence, on va dire, d'intensité, on va dire de gris, sur une échelle des gris. Là, par exemple, vous voyez, là, c'est très clair, puis ça fonce, ça fonce, ça fonce. J'ai des valeurs différentes. Là, on voit que la valeur de ça est plus foncée que ça. Donc là, vous voyez très bien qu'il y a une ombre. D'accord? Donc là, vous voyez que le premier étage est plutôt clair, le deuxième étage est plutôt foncé. Donc là, on va pas s'embêter, et c'est pas du tout par facilité, mais on va foncer tout ça. Donc là, n'hésitez pas, faites juste ça là. Faites juste ça parce que ça va nous servir pour l'ombre. Donc là, vous foncez tout ça par-dessus la frise. Voilà. OK. Et on va foncer tout ce qui est foncé. Là, le petit rebord. OK. Là, chaque rond un petit peu. Ça, c'est des petits détails, mais ça va être important. OK? Donc là, je reste là. Qu'est-ce qui est foncé? Plissez les yeux. Quand on plisse les yeux, ça permet d'aller à l'essentiel. Tout le bas-relief, vous le foncez. Le bas-relief, je sais qu'il y a des petits accents, mais on va tout foncer. OK? Ensuite, avec tout l'intérieur, sauf là, où il y a une espèce de petite lumière qui va venir là, mais tout ça, vous le foncez. N'ayez pas peur, hein. Il faut aller du plus général après au particulier. Vous foncez ça. D'ailleurs, pas trop fort d'un coup, mais une première base. Et vous voyez déjà qu'il y a une perspective qui s'installe. Là, la petite ombre de la sculpture. La petite ombre de la sculpture. Voilà. Et alors là, n'hésitez pas, plissez les yeux. Vous voyez, tout ça, même le plus clair, la plus claire des zones, est plus foncée que la plus claire de là. Donc là, n'hésitez pas, vous foncez tout. Pas trop foncé pour ne pas perdre les traits, mais déjà vous avez du volume tout au même niveau. C'est comme si vous appliquiez des filtres petit à petit. Vous voyez que le dessin arrive, et ça vous avez dans le descriptif hein, que j'ai posté. Mais vous voyez que déjà l'objet apparaît. Je vérifie sur l'écran, je décale un peu, mais vous voyez qu'il apparaît. D'accord? Donc là maintenant vous allez plisser les yeux et voir qu'il y a des endroits plus foncés que d'autres. Donc là, moi je vais revenir un petit peu sur la frise. Parce que là, il y a un petit rebord qui accentue. Si ça a effacé le dessin de la frise, n'hésitez pas, vous pouvez refaire des petits accents comme ça avec des petites arabesques pour marquer. Voilà. OK? Donc là, je peux m'en donner à cœur joie. Je peux continuer à foncer. Et là, après avoir foncé toute la zone, vous foncez par des zones bien définies. OK? Voilà. Alors qu'est-ce qu'on voit là, le bas-relief sur le côté est très foncé. Plissez les yeux, vraiment plissez les yeux comme si vous étiez ébloui. Vous voyez que c'est plus foncé. J'ai le rebord là, plus foncé. Alors, je vais un petit peu plus vite que là, mais vous avez le dessin, vous avez l'original qui est enfin, l'original qui est là hein, toujours. Ok? Peut-être qu'on n'arrivera pas à ce stade-là en seulement peu de temps. Le temps passe très vite. Peut-être je vais dépasser de 5 ou 10 minutes. Vous m'en voudrez pas. Si vous ne pouvez pas, vous avez des choses à faire, il y aura le replay. Mais j'aimerais quand même vous montrer plein de choses. Ça passe très très vite. Et j'ai tellement de choses à dire qu'il faut faire des sélections. Mais j'avais envie qu'on essaye de faire un dessin comme ça, abouti. OK? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Plissez les yeux. Ben, il manque ça. Allez, on y va, on fonce. On fonce.
Et là, vous voyez, c'est plus foncé, là. On y va. Après, je voudrais parler de l'utilisation du pastel blanc pour faire ressortir. Parce que si nous travaillons sur un papier coloré, ce n'est pas par hasard. Vu que la zone de réserve n'est pas le blanc du papier, on va dire un blanc sur une échelle de 0 qui est totalement blanche, mais qui est plutôt grise. Donc là, après, n'hésitez pas, vous pourrez terminer chez vous des petits détails, l'intérieur, etc. Chose que j'ai faite là, qui prend un petit peu plus de temps. J'en conviens. Est-ce que déjà chez vous, et il me tarde de voir vos résultats, hein. Alors ne les, si vous n'avez pas fini, vous les postez plus tard, moi je regarderai souvent hein, les ateliers en ligne, vous le savez, je réponds à tout le monde, hein, donc j'aime beaucoup comme ça voir ce que vous faites. Ok? Voilà. Donc là on a quand même une idée comme ça de l'objet, qui c'est les yeux, vous voyez que ça et ça c'est pratiquement égal, donc je fonce là. Voilà. Alors ces crayons sont hyper agréables parce que vous avez une texture très agréable, un petit peu plus que beaucoup plus que le crayon, mais c'est agréable, déjà ça se tient comme des crayons, donc ces sets-là sont vraiment agréables et le papier permet une très bonne adhérence du médium sur cette surface qui est vraiment très réceptive. Voilà. Plissez les yeux, n'hésitez pas à foncer. Qu'est-ce qui manque un petit peu à votre avis? Là, c'est foncé. Ah oui, l'arche, mais ça fait tout droit. Ok. Alors, n'hésitez pas à foncer un petit peu là. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus foncé. Voilà. Alors, peut-être un petit peu plus foncé là. Alors là, c'est un petit peu... Il faudrait le faire tout un par un. On va foncer juste un tout petit peu là sur les... Voilà. Alors, n'hésitez pas, vous faites un petit point sombre sur chaque... petit motif architectural, voilà. Et là, ok. Toujours ma technique, ma petite astuce, vous dédoublez les traits, comme ça, ça donne du relief. Après, si c'est des dessins de plaisir, de croquis, de vacances, etc., personne ne va vous dire, ah, vous avez oublié de marquer... Un troisième, ma vue de Moissac là ou d'Arras, un architecte pourrait me dire ou un urbaniste, non, là ça va pas du tout. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à donner une impression d'avoir dessiné là. Que vous soyez, vous pouvez vous installer sur une terrasse sur les Champs-Élysées et dessiner l'Arc de Triomphe, comme ça, ou tout autre. Là. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai un petit rebord là. Voilà. Alors, on n'est pas jusqu'à ce point-là, vous le savez pourquoi, parce que là, on l'a fait assez vite. Mais alors, petite astuce, dès que vous avez une zone claire, n'hésitez pas à foncer pas mal sur la zone adjacente très très proche. Et c'est ça qui va vous donner du relief et de la profondeur. Voilà. Voilà. Est-ce que tout le monde a ça? Si vous suivez ou si vous dessinez en même temps, j'espère que je ne suis pas allé trop vite. Voilà. Formidable, vous m'avez débloqué le regard. Mais je suis ravi. À droite, là, c'est bon. Ok. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va passer. Alors, il faudra aller plus loin. Alors, je suis désolé. Ça doit pencher un peu. Je suis désolé pour l'anamorphose, comme j'ai... Celui-là est plus droit, là j'ai un peu penché, mais c'est pas grave. Donc là on va utiliser du blanc. Alors on pourrait utiliser de la gouache, je voudrais l'utiliser tout à l'heure pour vous montrer, mais là on va utiliser donc du pastel blanc. Donc là, c'est ça qui va faire la différence, qui va donner tout le contraste et qui va donner du peps, du volume, de la texture et surtout de la. Voilà. Alors petit détail, si je retrouve une gomme. Vous voyez, en fait, ça, dans les dessins d'architecture, j'en ferai tout à l'heure. Si vous restez juste 5-10 minutes de plus avec moi, si vous me les accordez, je vous montrerai des astuces au crayon à billes. Ça, là, vous pouvez les gommer un petit peu. Pourquoi? Parce que la lumière baigne, là.
Donc vous n'êtes pas obligé de le marquer autant. Et vous avez l'impression que le soleil arrive là. Là par contre, vous pouvez plus le marquer parce qu'on est dans l'ombre. D'accord? Alors, crayon blanc, si vous n'en avez pas, on pourra prendre de la gouache. On peut tout imaginer. Hein, même. Ok? Donc là, on va faire les zones les plus claires. Donc là, regardez, je vais vous montrer. Et je vais bien au bord. C'est assez précis, assez minutieux. Voilà. Alors là, vous voyez que la sculpture, elle est à certains endroits plus claire. Vous pouvez faire des petits accents, marquer un semblant de jambes, de bras, etc. Vous voyez déjà comme ça ressort. Et, ah, regardez ça là, je l'ai oublié ça. Voilà. On va le foncer plus. Voilà. Un petit oubli de ma part. Ok. Voilà. Donc ce papier gris est vraiment vous offre plus de possibilités. Déjà quand vous avez un fond coloré, ça donne de la texture à votre dessin et tout de suite ça vous donne une espèce de qualité graphique qui parfois peut faire défaut sur un papier trop blanc sur lequel on n'ose pas travailler. Voilà. Voilà. Alors un petit trait blanc là, très doux. Voilà. Ouais, déjà que ça commence à ressortir, je vais quand même faire la petite ouverture sur l'arche derrière pour voir qu'il y a une petite ouverture. Est-ce que vous voyez déjà apparaître? Vous redonnez confiance grâce à vos explications bien claires. Merci beaucoup. Je suis ravi. Écoutez, si c'est ça l'objectif des ateliers, je suis absolument ravi. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Là-haut, alors un petit trait là. Allez. C'est très simplifié, j'en conviens. Mais quand même. Alors là, ce que je vais faire un par un. Je pourrais tout mettre en blanc. Remarquez. Ça ira un petit peu plus vite quand même. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un accent. Un petit accent sur chaque. Normalement, il y a un accent sur chaque rond. Hein. Vous le voyez là. Donc là, vous pouvez mettre un accent sur chaque rond. Voilà. Et là, vous pouvez vous permettre, c'est le dernier étage. Voilà. Et voilà notre arc de triomphe. Donc là, vous pouvez compléter. C'est blanc, je peux foncer un petit peu plus là. N'hésitez pas vraiment à plisser les yeux. Ah, ça, c'est pas assez foncé, donc j'y vais. Voilà. Voilà. Hop. Ok, vous voyez celui-là est un peu plus abouti, il faudrait un gros quart d'heure, moi je vous dis ça m'a pris une grosse heure pour le faire, là on avait moins de temps et là comme on arrive il est déjà 7 heures, je vous dis si vous avez juste 10 minutes à m'accorder en plus je vous montrerai des petites astuces. Ok, mais l'important pour moi c'était d'arriver à peu près à ce résultat-là, sachant que vous aurez... celui-là je le reposterai, mais bon celui-là est plus agréable parce que plus abouti sur le ça vous donne envie de retourner à Paris, mais venez celui-là est plus abouti, de toute façon vous avez toutes les progressions qui sont dans les explications, d'accord? Donc je vais faire un autre petit croquis, on va tourner celui-là pour l'instant, encore une fois vous pouvez le voir, vous pouvez faire des captures d'écran, il y a des replays, il n'y a aucun souci. Je voudrais vous montrer des petites astuces. Notamment de travailler au crayon à bic et on va travailler à la gouache blanche tout à l'heure. Donc mon magnifique petit arc de triomphe, j'aurais jamais pensé acheter ça un jour, mais finalement il est très pratique parce que ben, vous pouvez le déplacer comme ça et comme si vous étiez autour en trois dimensions autour. Dans la réalité, ce n'est pas possible. On va le dessiner par exemple de face. Alors moi je suis obligé de le mettre comme ça, vous ne le voyez pas comme ça. Donc n'hésitez pas par exemple. Quand vous faites un dessin au bic, il est là. Attendez que je le retrouve quand même. Voilà, c'est celui-là. D'accord?
Alors là, vous voyez, j'avais fait un François Rude un petit peu truc. Donc là, quand vous êtes au crayon, quand vous êtes au bic, vous ne pouvez pas avoir de repentir. Donc là, par exemple, ben, vous essayez de voir la proportion hauteur-largeur et vous faites un carré. Ça, c'est pour les carnets de croquis. Vous voyez, mes carnets de croquis, ils sont pas bien grands. C'est de cet ordre-là. D'accord? Je reprends la Bretagne, etc. Donc à ce moment-là, si vraiment vous êtes, si vous dessinez très très vite, essayez de le faire, même si vous vous plantez. Si vous trompez, c'est comme ça qu'on apprend. Faites juste ça là. Vous voyez là? Faites-le en même temps que moi, juste avec un bic ou un crayon. La moitié, donc c'est là. Ok? Voilà. Et après, je vais vous donner quelques petites astuces. Par exemple, vous êtes en voyage dans dans un pays, il y a un joli bâtiment, et bon, si vous voyagez à plusieurs, bon, on ne peut pas s'arrêter, vous ne pouvez pas passer des heures à dessiner quelque chose. Vous dites, non, mais laissez-moi juste 5 minutes, et juste c'est pour faire un petit croquis. Vous prenez une photo, et après vous pouvez le continuer le soir à l'hôtel, chez vous, dans un bar, etc. Les petits accents, alors ce genre de petits détails, comme le truc. Et là, toujours mon astuce, dédoubler les traits. C'est pas grand chose, mais c'est ça qui va faire une petite différence et montrer que vous avez, comme si vous aviez, voilà, fait une architecture avec beaucoup de choses. D'accord? Il est extrêmement simplifié tout ça. Alors, petit détail, quand vous regardez l'Arc de Triomphe, c'est fait en pierre. Et là, quand vous regardez de très près, il y a des milliers de petites pierres. Ça, c'est très important. Il faut que vous dessiniez ce que vous voyez et non pas ce que vous savez des choses. Parce que si je fais chaque petite pierre comme ça, ça va obscur. Je vais le faire par exemple. Là, je vais bousiller le dessin. Imaginez que je fais toutes les petites pierres. Il faut montrer les choses. Alors, je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, moi, ça va pas. Vous allez comprendre pourquoi. Imaginez que je fais toutes les pierres. Déjà, un, c'est fastidieux, et deux, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que plisser les yeux, c'est clair, c'est clair. Alors que là, quand je mets mes petites pierres, je crée une situation graphique qui me met en position d'une valeur forte. Donc, il vaut mieux que je fasse abstraction de ce que je vois, plutôt de ce que je sais, on va dire, plutôt au profit de ce que je vois, c'est-à-dire cet objet clair. Alors que si je commence à mettre toutes les pierres, je vais me retrouver avec un arc de triomphe extrêmement foncé. Donc, il vaut mieux ne rien faire et s'accorder plus sur les petites ombres. D'accord? Donc ça, pour moi, c'est le bon exemple de ne pas tout faire. Imaginez, par exemple, vous dessinez un pull. Vous dessinez quelqu'un qui a un pull. Ben, un pull, c'est fait de laine ou tout ça, avec des fibres comme ça. Si vous commencez à dessiner toutes les fibres, ben, vous allez retrouver qu'un pull rayé, alors que le pull n'est pas rayé. Vous comprenez? Ou alors, si vous avez une masse de cheveux comme ça, qui est quelqu'un, vous n'allez pas dessiner les cheveux. Vous n'allez pas dessiner les cheveux un par un. Sinon, il va se retrouver comme avec des spaghettis sur la tête. C'est plutôt l'ombre générale, la valeur générale, qui va faire foi. D'accord? Donc, on va prendre ça. Et là, pour le dernier, donc voilà, il est 5. Accordez-moi encore 5 minutes. Et voilà, donc on va prendre. Normalement, j'avais un petit godet. Mais maintenant, vous le savez, je suis là. Quand je finis mes cours, il y a un peu de bazar. Donc, nous allons prendre ces gouaches. Aquafines qui sont extraordinaires parce qu'elles ont une très très bonne tenue. Vous en mettez un petit peu. Vous prenez un pinceau, donc vous avez dans le descriptif ces pinceaux Princeton qui sont vraiment très très agréables. Voilà. Je vais prendre le plus fin. Ah, attendez. On va prendre celui-là. Voilà, celui-là le plus. Ok. Donc tout est dans le descriptif. Donc vous prenez un petit peu d'eau comme ça. Voilà. Et là, vous pouvez faire. Oui. J'avais pris du sopalin. Voilà. Donc là, je vais recouvrir. Hein, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est non pas forcément les détails de la façade, mais voilà. Alors là, par exemple, en stylo bic, j'ai mes petites frises, je peux foncer,
D'accord? Et donc là, on pourrait le faire de la même manière, ça là, avec de la gouache. Et là, vous voyez tout de suite, il y a une intensité qui se passe. Là, vous pouvez, pareil, dédoubler. Voilà. D'accord? Et à ce moment-là, vous avez votre arc de triomphe qui ressort en fait. J'avais pris une photo. Ça marche très très bien dans les rues, par exemple. Dans des rues, par exemple, où vous avez des. Là, j'improvise un peu là, mais vous voyez, vous avez des rues, par exemple, au Maroc, à Tanger, etc. J'ai eu la chance d'y aller. Il y a vraiment des choses très très belles et vous avez comme ça. Des bâtiments comme ça qui sont éclairés par le soleil, qui sont extrêmement, extrêmement vifs, et vous pouvez utiliser du papier coloré pour justement mettre. Voilà. Et ça vous donne un éclat. D'accord? Ça, c'est bien. Alors, je vais faire une petite chose assez marrante, c'était pas prévu, mais je voudrais le faire. Petit clin d'œil à Christo qui a fait une sans juger hein, sur le. Sur l'objet, mais je voudrais quand même en parler un petit peu, parce que Christo est quelqu'un de très très intéressant d'un point de vue artistique. Voiler les choses pour mieux les dévoiler dans le sens de se dire qu'est-ce qu'il y avait dessous. On va l'emballer, lui, tiens. On va l'emballer. Ok. Allez, on va faire. Regardez. On va faire ça. On va mettre. Voilà. C'est un petit hommage. À Christo, on va l'emballer. L'installation était très très impressionnante. Et sans juger quoi que ce soit, pensez à la sculpture du Balzac de Rodin, qui a fait des tonnes et des tonnes d'essais. Qui a dessiné Balzac nu avec un gros ventre, on le voit notamment au musée Rodin. Et à la fin, ben, il montre un Balzac entièrement recouvert d'énormes robes de chambre où on ne voit rien, d'où ne surgit que la tête. Et là, scandale, alors que la sculpture n'a pas vraiment n'est pas du tout tendancieuse, ou je sais pas, où il n'y a pas du tout de choses, c'est pas son âge des reins, etc., qui avait provoqué le scandale, mais. Il a décidé de tout recouvrir pour mieux révéler ce qu'il y a en dessous. Et ça, c'était assez intéressant. Voilà, c'était mon petit clin d'œil à Christo. C'était pas trop prévu, mais voilà. Je me dis, là, je vais emballer grâce à la gouache blanche. Alors, pourquoi la gouache blanche? C'est-à-dire qu'elle nous permet de recouvrir. Voilà. Voilà, un petit Christo emballé à la maison. D'accord? Voilà, c'était un petit clin d'œil. Très bien vu l'emballage, voilà. Oh, c'est vraiment, voilà, comme ça. Alors, des milliers de choses à vous dire. N'hésitez pas à me poser des questions. Vous le savez, hein, je réponds quasi, enfin, à tout, hein. N'hésitez pas à me poser des questions. Je répondrai sur des points où je suis allé un peu trop vite, c'est possible. Veuillez m'en excuser, mais il y avait tellement de choses à voir. Juste pour vous montrer le travail d'un ancien élève à moi qui s'appelle Michel Gombeau. Et j'étais ravi de l'accueillir dans le livre que j'avais l'occasion de faire au sujet de l'aquarelle. Voilà des dessins d'architecture. Alors, c'est autre chose, c'est-à-dire que lui, il fait. Je le salue d'ailleurs, Michel, si tu regardes cet atelier, je voulais te remercier encore d'avoir participé à ce. Comme Julia Schaffer aussi, mais c'est autre chose, c'est des nus. Voilà, vous voyez ces croquis là? C'est-à-dire qu'il fait des croquis à l'encre et il met de l'aquarelle. Alors ça, c'est hors de notre séance, mais c'était pour vous montrer, voilà, un certain type de croquis d'architecture que je trouve vraiment admirable. Et je vous invite à voir son travail, ce travail qui est visible, tout comme toutes les carnets de voyage que je vous ai montrés. Vous les retrouvez aussi là-dedans, dans ce petit manuel que j'ai sorti, qui s'appelle Aquarelle, je me lance. Aux éditions Massin, vous allez retrouver, regardez, mes carnets de voyage que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez, le Maroc, etc., la Bretagne, vous allez les retrouver là. Voilà, Quimper, vous avez vu les vues de Quimper ici.
Donc voilà, j'espère qu'on a vu pas mal de choses, enfin, si on en a vu beaucoup. La perspective, pensez bien au point de fuite, pensez à cette petite astuce qui n'a rien de conventionnel, soit c'est une flèche, soit c'est un Y. Et puis de savoir d'où vous regardez les choses. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, ben, n'hésitez pas à prendre des photos. Et là, vous voyez par exemple si ça fait un Y ou si ça fait, enfin, plutôt là, une flèche pour vous et un Y comme ça. Voilà, je pense, j'ai peut-être oublié certaines choses. J'avais prévu de vous dire plein de choses. Merci à vous d'avoir suivi cet atelier. Je remercie Claire et Alain qui font un boulot formidable pour animer ces ateliers, les préparer les tirages au sort, m'aider pour les lives, etc. Je remercie tous mes collègues. Il y a toutes les vidéos en replay de mes collègues sur le site de Canson. Vous pouvez participer au tirage au sort qui est dans la description de l'atelier. Et ben, je vous donne rendez-vous pour une prochaine séance qui aura lieu, on va décider la date, mais ça aura lieu en novembre autour de l'aquarelle et nous allons vite en reparler. Merci à tous, c'était un vrai plaisir. N'hésitez pas à montrer vos œuvres et à les partager avec vos collègues. Et je suis ravi d'avoir ben, de vous avoir retrouvé à la rentrée après ben, toutes ces périodes un peu difficiles, mais c'est toujours un plaisir de se retrouver ensemble via ces ateliers Canson. Merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.